On est ici à la Conférence internationale des télécommunications à Dubaï, aux Émirats arabes unis, et j'ai le grand plaisir d'être avec M. Romain Abile-Huehu, qui est coordinateur du réseau des consommateurs africains des TIC. Merci beaucoup pour être avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup, Marc. Merci beaucoup. Je voudrais commencer par savoir quelles sont vos impressions de ces derniers jours de la conférence. Merci beaucoup. Je pense que mes impressions se résument en deux mots. L'espoir et la crainte. L'espoir parce que nous avons l'occasion, en tant que consommateurs, en tant qu'organisation de consommateurs au niveau africain, de savoir que le règlement des télécommunications internationales seront révisés. Ils tiendront compte de l'évolution du secteur, ils tiendront compte du développement du secteur, ils tiendront compte des futurs du secteur des télécommunications. Crainte parce que les débats, je participe aux travaux, les débats des fois tentent de s'enliser, des fois nous entendons le mot conciliabule, j'entends le mot concession, j'entends le mot consensus. Alors c'est autant de mots forts que j'entendais et je me dis pourvu que le mot consensus emporte sur le mot échec. Donc mes impressions sont bonnes en général parce que ce matin nous avons évolué. Hier nous sommes restés tard dans la nuit, on a quitté la conférence à 1h20 du matin. Donc j'ai vu qu'il y a un engagement citoyen de tous les délégués. Donc l'espoir est au-dessus de la crainte aujourd'hui. Mes impressions sont bonnes aujourd'hui. À votre avis, quelles sont les principales préoccupations pour le secteur des télécommunications et pour les consommateurs africains des TIC? Les principales préoccupations du secteur aujourd'hui, ce sont le développement des infrastructures large band, ce sont le développement des services, des nouveaux services, ce sont le développement également des infrastructures de façon globale. Et pour les consommateurs africains en particulier, les principales préoccupations sont essentiellement liées à l'accès aux services de télécommunications, à l'accès à ces services-là, mais à moindre coût, à l'accès à ces services, mais de qualité. Donc ce sont les trois principales préoccupations des consommateurs africains des télécommunications aujourd'hui. Où qu'ils sont, ils veulent téléphoner. Où qu'ils sont, ils veulent téléphoner moins cher. Où qu'ils sont, ils veulent téléphoner moins cher, mais de qualité. Et finalement, quelles sont vos principales attentes à cette conférence et quels sont vos meilleurs espoirs à l'issue de la conférence? Merci beaucoup, Mike. Je pense que les principaux espoirs pour cette conférence, c'est que la conférence réussisse. La réussite avec également des règlements de télécommunications internationaux révisés. L'espoir également pour les RTI qui prennent en compte les principales préoccupations des consommateurs du monde entier et africains en particulier, RTI révisés qui prennent en compte les enjeux du développement du secteur, notamment les questions de développement de l'Internet, les questions de la sécurité des consommateurs au niveau de l'accès, les questions de la protection également des intérêts de ceux qui utilisent ces services-là dans le monde. Aujourd'hui, l'espoir renaît, comme je l'ai dit au début de cet entretien, parce que tous les délégués utilisent le mot « consensus ». Donc, par consensus, nous allons aboutir à une conférence qui va réussir. Nous allons avoir enfin des règlements de télécommunications internationaux révisés qui prennent en compte les préoccupations de tous les délégués du monde entier qui sont regroupés ici à Dubaï. Monsieur Huehu, je vous remercie beaucoup pour votre participation aujourd'hui. C'est à moi de vous remercier pour l'opportunité que vous m'offrez à parler à tous les délégués du monde entier depuis Dubaï.